Gabriella de Monaco bien malicieuse, grand Noëlot avec ses parents et son frère Jacques. La magie de Noël s'est littéralement emparée du palais princier de Monaco. Mercredi 14 décembre, le prince Albert et son épouse la princesse Charlotte avaient donné rendez-vous aux enfants monégasques pour une grande distribution des cadeaux de Noël. Le traditionnel arbre de Noël s'est déroulé dans l'après-midi pour le plus grand plaisir des enfants mais aussi de leurs parents. Une séance récréative avait été ajoutée au calendrier ce mercredi pour tous les enfants âgés de 5 à 12 ans et les monégasques se sont rendus en masse au palais. Les habitants du Rocher ont ainsi eu le bonheur de se voir remettre des cadeaux mais aussi de rencontrer le prince Albert et la princesse Charlotte. Ravissante dans un manteau cap, le couple était accompagné de ses deux enfants. Jacques et Gabriella de Monaco qui ont fêté il y a quelques jours seulement leurs 8 ans. Stylo Diva place Holdé à 1 et à 1, 8 300 px, minimum et 250 px, at Media Screen End, minimum 8 990 px, Diva. A place Holdé à 1 et à 1, 8 620 px, minimum et 350 px, style. Élégante dans son manteau bleu nuit bien chaud et chaussé d'une paire de babys. Gabriella de Monaco semblait bien heureuse de se rendre dans la cour du palais qui avait été décorée pour l'occasion et qui a aussi reçu la visite du Père Noël. Disciplinée pour offrir les cadeaux, la jeune princesse n'a pu s'empêcher d'afficher quelques regards espiègles qui la caractérisent tant. Monaco célèbre Noël comme il se doit cette année. Il y a 2 semaines, le marché de Noël avait été inauguré sur le port. Le lancement des festivités s'était déroulé en présence de Charlotte de Monaco. Accompagné de Charlotte Casiraghi, mais aussi de Jacques et Gabriella. Lors de cette sortie, la petite fille très élégante dans son look 100% jacadi, avait enfreint le protocole et n'avait pu résister à l'envie d'aller faire un câlin à un acteur qui venait d'achever son spectacle. En quelques secondes, et en toute spontanéité, la fille de la princesse Charlotte et du prince Albert a su défier le rigide protocole. Sous les yeux ébahis de son frère, désormais habitué aux facéties de sa sœur, avait alors commenté Monaco Matin. Les festivités ne s'étaient pas arrêtées là puisque Charlotte de Monaco et ses enfants s'étaient ensuite rendus sur la place du Casino de Monte-Carlo pour l'inauguration des illuminations de Noël. Ce joli spectacle avait eu lieu en présence de Raphaël Elmal, le fils de 8 ans de Charlotte Casiraghi et Gad Elmal, qui avait sorti le nœud papillon pour l'occasion. Une sortie très chic. Cette sortie en famille de Charlotte et Albert de Monaco avec leurs enfants intervient le même jour que leur interview commune accordée à Point de Vue. Charlotte de Monaco y évoque sa santé rétablie après avoir souffert de graves problèmes ORL qui l'avaient contrainte à rester plusieurs mois en Afrique du Sud. La princesse se confie également sur ses enfants. Des confidences rares. Ils s'aiment et se protègent l'un et l'autre et font part d'une immense bienveillance entre eux, déclare notamment l'épouse du prince Albert, ajoutant également que Gabriella et Jacques commencent à comprendre leur rôle malgré leur très jeune âge. Et leur rôle consiste notamment à gâter les enfants monégasques pour Noël.